Hello tout le monde, c'est Testeur de jeu pas cool. Bon bah aujourd'hui je vais commenter ce match de Champions League que j'ai fait du Bayern contre le Manchester United. Merci de regarder cette vidéo jusqu'au bout et puis j'espère que ça va vous plaire. J'ai pas l'habitude de faire ces genres de matchs CPU contre CPU. Au revoir. Hello tout le monde, c'est Testeur de jeu pas cool aujourd'hui. Je vais commenter ce match de Manchester United contre le Bayern de le Bayern Munich, pas de Munich, hein, seulement Munich. Pardon. Ce sera le match de quart de finale, toujours le 1er avril. Ouh, c'était dangereux, franchement. C'était Wayne Rooney. Eh oui, la star de Manchester. Personnellement, enfin, nous sommes à Old Trafford. Old Trafford, quoi, en français. Ça sera chez les Mancuniens, là. Eh oui. ça sera chez, pardon, enfin, les Mancuniens. Là, c'est un match que j'attends avec impatience. Ribéry, là, qui est tout près. Robben. Ribéry qui fait vraiment peur aux Mancuniens. Müller. Robben, il peut faire une passe. Oh non, putain, j'avais cru qu'il y avait un blanc qui l'a récupéré. Oui. Et nous sommes toujours sur FIFA 12. Je sais pas, c'est le seul FIFA que j'aime bien. Enfin, que j'ai le plus préféré. Enfin, que je préfère le plus. J'ai FIFA 14, j'ai FIFA 13, mais je sais pas, FIFA 12, c'est un coup de cœur, on peut dire ça. Bref, j'aime bien la Bavière, enfin le Bayern et tout ça, mais cette fois je serai pour le Manchester United. Parce que c'est mon équipe du moment. Oh! Ok! Quand je dis que je suis pour le Manchester, ils perdent. Ok, ça c'est génial pour moi. Ribéry qui a marqué un goal, le français. Voilà, Deréa, je l'aime. Par contre, Deréa, comme vous voulez. Et je l'aime pas du tout. J'aimais bien Van der Sar. Ouais, Van der Sar, mais lui, franchement, je sais pas. Peut-être que c'est la tête, mais non. Je l'aime vraiment pas. Il y aura Wayne Rooney dans le match. Van Persie aussi, qui n'est pas dans ce jeu. Enfin, sur FIFA 12. Du côté bavarois, il y aura Götze, je crois, Mandzukic, qui n'y sont pas non plus. Là, il y aura Kagawa, pour les Mancuniens encore, mais ils seront pas. Je trouve que les Mancuniens ont toute leur chance. Ok, ça fait très peur, hein. Les Mancuniens ont toute leur chance. Non, non, les Bavarois, enfin, les Bavarois vont gagner, enfin, ont toute leur chance de gagner. Les Mancuniens qui sont très bons, mais en championnat ils cassent pas des briques. Mais j'espère qu'ils vont gagner. Surtout si on s'en rappelle, c'était en 1999, je crois, la saison 98-99, où ils perdaient 1-0 jusqu'à la 90e minute où ils ont marqué deux goals. Oh, c'était un match extraordinaire, je trouvais. Ils ont marqué deux goals. Je l'ai pas regardé en fait le match. Mais ils ont marqué, je le sais juste comme ça. Ils ont marqué deux goals à la 90e minute. Ah, c'est un corner en plus. Ah ouais, donc c'est le blanc qui l'a sorti. Ça sera les Mancuniens qui ont... C'était mal joué. Oh non, mais là il fait n'importe quoi, le Bavarois. Ouais, ça sera un match avec une très grande ambiance. Ça commence. Ça... Le match aller sera à Old Trafford. Old Trafford. Attendez, attendez, attendez. Ça fera un peu de bruit, mais je vais mieux m'installer. Voilà. Ouais, toujours avec le même siège. Ouais. Old Trafford, avec un public anglais, peut-être qu'il y aura plus de stress, peut-être qu'il y aura un retournement de situation, parce que, enfin, je m'en rappelle, c'était il n'y a pas longtemps en plus, ils perdaient 2-0 contre Olympiakos, il y a tout le monde qui se foutait de ma gueule, enfin, ouais, je crois, qui disait, ah, ton équipe, avant ils étaient bons, mais maintenant regarde, ils perdent 2-0 contre Olympiakos. Olympiakos qui est une bonne équipe, mais face à Manchester, ça vaut rien pour moi. Puis ensuite, le match retour,
Ils ont gagné 3-0. Énorme retournement de situation. Donc, j'espère que ça sera aussi comme ça, qu'ils vont pouvoir gagner contre les Bavarois. Pour le moment, là, ils perdent 1-0. Ce n'est pas le vrai match, mais bon, il y a Mario Gomez. Schweinsteiger! Wow. C'était très dangereux de Schweinsteiger. On va le revoir. Là, Mario Gomez qui fait la passe Schweinsteiger sur son bon pied et boum! Elle était cadrée, je crois, je sais pas. Ribéry qui va tirer un corner pour le moment. La 43e minute. Batshuayi qui l'a pas eu. Enfin, oui et non. Les Mancuniens qui sont. Ah non, c'est du 50-50 en fait. J'allais dire qu'ils étaient dominés, mais pas tant que ça. Puisque on re-regarde. Il y avait quand même quelques actions des Mancuniens avant. Enfin, quelques, quand même de nombreuses, mais qui ne sont pas passées. J'espère qu'ils pourront égaliser ces Mancuniens, franchement. Je l'espère très fort. Ah, déjà la mi-temps. Bon, un but de Ribéry à la 17e minute. Là, on va regarder les actions. Là, non, ça s'est pas passé comme ça. C'était une passe. Ribéry, il est là. Il a la possibilité sur son. Il était en déséquilibre et il a marqué. Bon, ok, je m'en fiche un peu des autres actions. Ah, quoique. Non, c'est toujours le but de Ribéry. On le re-regarde là. Ouh, c'est mal fait, hein. Si on regarde en haut à gauche. Bref. Bon, bah. Un but, deux tirs à 4, zéro tir cadré pour les Mancuniens, les pauvres, des tirs cadrés pour les Bavarois. 43 de possession à 57, oui, ok. Je pensais qu'il y avait un moins grand écart, mais il y en a quand même un assez grand. Deux tacles à 1, zéro faute, zéro carton jaune chacun, zéro carton rouge, zéro blessure chacun. Zéro hors-jeu. Ok, 4 corners pour les Mancuniens, mais ils n'ont pas su l'exploiter. Et puis, un corner pour les Bavarois. 0% de précision de tir. 50% pour les Bavarois. Je répète beaucoup l'adjectif qualifiant les gens qui viennent de la Bavière. Bref, 77% de précision de passe et 89% de précision de passe pour les Bavarois. 77-77 en français, en bon français si on peut l'appeler comme ça. Et puis on est reparti, voilà. Bon ben voilà quoi, c'est. Ah, Hernandez qui a la balle. Rooney. Wayne Rooney, c'est une très grande star qui a été recrutée à Everton. Young qui peut. Ah bah. Oh! Attendez. Penalty, penalty! Il y a penalty! Wow! J'espère qu'ils vont le marquer. Qui va tirer maintenant? C'est Wayne Rooney qui va le tirer. Il garde son sang-froid. J'espère qu'il va la marquer. Je me suis étouffé. Et c'était le goal. C'était très bien exploité. Voilà, il est très content, Wayne Rooney, la star. C'était une main de Batshuayi, c'est ça? Il l'a tiré à la droite de la caméra, là, ou à sa gauche. Ou à la droite de Neuer, comme on peut. Neuer n'a pas du tout plongé. C'était très dommage, il aurait pu plonger. Mais ils reviennent au score, les Mancuniens. C'était pas comme le match d'il y a quelques. Qui vient de sortir l'épisode il y a quelques minutes, quelques heures, je sais pas. En fait, je parle en futur là, mais je sais même pas. Hein. Avec le Barça contre l'Atlético. Ben. Voilà. Oh, ça peut. Ah bah non, hors jeu. Oh, Ribéry qui s'est bien pété la gueule là. Ouais, c'était assez. Ouais, il y avait un. Ça se voyait un peu quand même hors jeu. Mais bon. Un tout petit peu quand même. Moi, je le verrais pas, franchement, si j'étais arbitre. Mais comme je le suis pas et que j'ai pas beaucoup d'expérience. Bref. Ben voilà. Ils sont à égalité. Je disais quoi déjà? Non, je disais rien. Ah oui, Atlético, ce n'était pas comme le match où Atlético n'a pas pu marquer un goal. Ils avaient un très bon Falcao, un très bon Thuram, mais bon, je vais pas vous spoiler le truc. Allez le voir, alors, tout simplement. Et puis voilà. Mario Gomez, qui l'a mis à Robben. Robben, Rafinha, ils sont pour Robben! Oh putain! Ah bah merde, ok, il a marqué. Il a lobé De Gea qui était
Je sais pas, je l'aime pas de toute façon. Tac. Il a contrôle de la poitrine. Boum. Le lob. Qui passe bien. Il a bien passé. Boum. Le lob. Ben, les Mancuniens sont dominés. Enfin, Robin a sauvé. Ouais, non, il a fait la différence plutôt. J'espère que le public ne va pas sauter. Surtout que si on le voit bien là, il y a juste les gradins. Ils peuvent sauter et frapper Robin. Ce que j'aurais fait, non, quand même pas. Enfin, j'aurais frappé un joueur adverse quand même, mais non, peut-être que non. Ouh, 60% de possession à 40% de possession pour les Mancuniens. À la fin, en fait, les Bavarois, ah, qu'on le dit trop souvent, les Bavarois, les Mancuniens et tout ça, à la fin, on oublie même qui sont les Mancuniens et qui sont les Bavarois. Les Bavarois, c'est le Bayern, les Mancuniens, c'est le Manchester United. Oh! Non! Il fallait tirer tout de suite! C'était Nani, le numéro 17. Ah, Toni Kroos qui sort, qui rentre contre Thomas Müller. Thomas Müller, qui est un des joueurs les plus expérimentés, pour moi, il a passé le plus de temps au Bayern, je crois. En tout cas, il commence à se faire vieux pour moi. Peut-être que je dis des conneries, mais non. Mario Gomez. Un but de Robben, un but de Ribéry. Qui forme une très belle équipe, le français et puis l'hollandais. Surtout que j'étais pour le français à la course du ballon d'or, mais bon, Robben qu'on revoit là, qui a passé à Gomez. Est-ce qu'il va tirer ou... Non! Ou c'était arrêté par Vidic? Non, le numéro 3 c'est qui? Je sais pas. C'était Ferdinand. Rio Ferdinand, un truc comme ça. Un onglet? Ouais. Bon, Smalling. Cleverley. Il devrait centrer. Ah, il a mis à Nani, un très bon joueur aussi, portugais. Je sais pas si on l'a pris pour la Coupe du Monde, et j'espère quand même. Pour le moment, toujours 2-0, 2 à 1 plutôt, avec un penalty très bien négocié par Wayne Rooney. Peut-être que le score va se terminer sur un 2 à 1. Je sais pas, je sais pas, je sais pas. Attention, Ribéry, le français. Ouh. C'était dangereux s'il l'a passé à Thomas. Non, Gomez. Mais il l'a pas fait. Gomez qui est un joueur très bon pour moi. Bon. Surtout à la finition. C'est lui qui fait la finition. Schweinsteiger. Kroos. Gomez. Kroos. Luis Gustavo. Ah tiens. Je l'ai pas. Ah oui, on l'a vu quand même. Robben qui doit centrer pour Mario Gomez. Il a mis à Luis Gustavo. Luis Gustavo. Bon, Young. Ils ont encore un peu le temps. Ils ont le temps. Ça va être dur parce que les Bavarois sont très bons. Mais ils ont le temps. Hernandez. Hernandez. Il devrait la passer à Cleverley. Et c'est ce qu'il a fait. À Rooney. Rooney. Allez, allez. Passe-la à Anderson. Anderson tire! Tire! Oh, c'était dommage. C'était dommage. C'était mal exploité. Carrick qui sort pour Cleverley. Et puis. J'ai pas vu pour les Bavarois. Bon, c'est à 90e minute, d'ailleurs, qui va jouer son coup, et qui l'a joué. Nani. Ah bah non, c'était pas Nani. Ah bah c'est fini maintenant le match. À la 17e minute, l'ouverture du score de Ribéry. Puis ensuite, à la 49e minute, un penalty accordé par l'arbitre pour Wayne Rooney, qui l'a bien exploité. Neuer n'a rien pu faire à cause d'une main de Batshuayi, je crois. Ah, et ensuite, c'était Batshuayi, je sais plus. Et à la fin, à la 61e minute, un très beau contrôle de Robben et qui l'a marqué. C'était un très bon match. J'espère pas que ça sera comme ça. J'espère que le score sera inversé. Disons 2 pour le Manchester United et puis 1 pour le Bayern. Mais bon. Ça va être très dur parce que le Bayern sera champion en titre, ils font que des bons matchs. Manchester ont du mal, même dans leur championnat, alors ouais. Bon, on va regarder les ralentis. Voilà, Derrière a pu repousser ce tir. Puis après, là, c'est le goal de Ribéry. Il allait là-bas. Enfin, il est allé à. Ouais, non, je sais pas. Là, c'est à 49e minute. Le but de Wayne Rooney, il a bien tiré.
Et là, c'est le contrôle de Robin en lobe et il a marqué. Bon, plus rien d'intéressant après. Enfin, ouais, c'est fini. Derrière qui est l'homme du match, oh c'est étonnant, j'aurais donné pour quelqu'un d'autre, ah, pardon j'ai fait un peu de bruit, mais c'est pas grave. Ah Boateng ou bien Robben. Ah bon, j'aurais dit Robben ou Ribéry qui devait être l'homme du match, mais bon, c'est la vie comme ça. Enfin non, pas tellement que c'est la vie, mais bon, j'en ai rien à foutre. Mais non, rien. C'est de la merde maintenant. Non mais faut qu'on se quitte. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Enfin, on n'est jamais été ensemble. Mais bon, bref. Ok, merci d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine. Bye bye. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et puis cliquez sur les deux autres vidéos de la journée. Au revoir.